Putain, mais c'est sympa que t'es complètement con. Mais enfin, éteins la lumière, on va se faire griller. Mais comment ça griller? Mais on a le droit d'être là. C'est le cabinet de mon père, j'ai les clés à vérifier. Donc c'est deux arnaqueurs à la petite semaine, Denis et Sylvain, qui décident d'usurper l'identité d'un psychanalyste pendant deux semaines pour se faire un petit peu d'argent. Et c'est un gros coup qui demande pas beaucoup de boulot. Heureusement que j'étais là pour déconnecter le système d'alarme. C'est l'interphone. Mais le problème, c'est que le premier patient qui vient frapper à la porte, c'est Victor Latorniol, ici présent, qui a beaucoup de problèmes et qui a pour condition de libération de se faire psychanalyser. Voilà, parce que je viens de faire 15 ans de prison. Attendez. Ah, pour voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que t'essayes de faire avec tes tests à la con? Rien. Tu commences à me les briser. Non, 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 tu me mènes en bateau, c'est ça? Non. Dis-le. Dis-le. Voilà, et comme on n'a absolument aucune notion de psychanalyse, il va falloir régler tous ces problèmes par nos propres moyens, donc ça va être un petit peu particulier. During a soldier, choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's drôle. Non mais drôle, surtout c'est le premier truc, c'est que c'est très drôle. Drôle. C'est un spectacle très drôle. Mademoiselle, si vous voulez voir des beaux gosses qui dansent, n'hésitez pas. Une heure et quart d'humour bien concentré non-stop. Et honnêtement, vous allez vous régaler.